En direct live, c'était Kate Bradley pour Channel 12. Tu es la meilleure dans les faits divers. Les incendies, les carambolages, les émeutes du Black Friday au centre commercial. Attention ! Les responsables sont furieux de te voir prendre autant de risques. J'appelle ça faire son boulot de reporter. Kate, ça suffit, tu m'entends ? On a reçu un appel d'une femme dans le sud du Bronx. Elle dit avoir trouvé un sac plein de billets de banque. Elle est convaincue qu'il a été déposé par un bon samaritain. Oh. Tu fais un break sur les événements chauds. Une femme trouve un sac plein d'argent. C'est même pas de l'info. Tu crois pas à l'hypothèse du bon samaritain? J'ai pour principe d'être toujours objective, mais non. Une personne nous observe et nous vient en aide. Et je dois dire que j'ai vraiment du mal à croire qu'une personne puisse faire une bonne action sans rien attendre en retour. Ce ne sont pas des faux. J'ai trouvé le sac ce matin devant notre porte. Il a laissé le sac juste là. Rien que la semaine dernière, 8 personnes ont trouvé 100 000 dollars sur leur palier. En fait, on est là pour le bon Sam. Une femme a créé un club anonyme de bons samaritains. Et un gars qui passait à la caisse d'une boutique a réglé anonymement les achats des 10 clients suivants. Wow. Quand j'ai commencé à couvrir cette histoire, j'étais sûre que notre bon Sam avait un motif qui était inavoué. Maintenant, il y a des personnes qui font le bien autour d'elle. L'intérêt pour ce généreux donateur ne cesse de croître. Les habitants ne parlent plus que de sa générosité et de où et quand le prochain sac rempli d'argent pourrait apparaître. Certaines personnes disent que New York est une ville difficile. Mais grâce au bon Sam, je ne vois plus que des marques de sympathie entre inconnus. Le bon samaritain nous inspire tous de l'espoir. Les gens en ont besoin à notre époque. C'est contagieux, un peu comme les miracles. La question qui nous préoccupe donc tous à présent, qui est cet homme au cœur d'or ?